Au Niger, les inondations dues aux fortes pluies ont tué au moins 45 personnes cette semaine et forcé plus de 226 000 personnes à quitter leur maison. La région occidentale du Niger a été la plus touchée par les pluies qui ont provoqué le débordement du fleuve Niger, entraînant la fermeture de la capitale, Niamey. Des dizaines de maisons en terre se sont effondrées le long du fleuve, dans le district de Kirkisoy, forçant les autorités à demander aux populations d'évacuer les maisons situées en zone inondable, assurant que des sites de relogement sont prévus pour les recevoir. Depuis lundi, les inondations ont touché au moins 25 800 foyers, selon le Conseil des ministres.